Salut, bienvenue à tous. Vous le voyez, les conditions météo qui nous attendent aujourd'hui sont absolument excellentes. Au commentaire, c'est bien sûr le duo Matoumenes qui va vous accompagner. Au programme du jour, un match amical, international. Le Pérou contre le Canada. Allez, parfois les joueurs jouent plus libérés en amical. J'espère que ce sera le cas aujourd'hui. Je vous laisse découvrir la composition de l'équipe du Pérou. L'entraîneur a choisi un 4-5-1 pour cette rencontre. Sans doute pour obliger l'adversaire à sortir et à prendre des risques. Bon, c'est dans un bien joli petit stade qu'on va suivre ce match, P1. Ouais, on dirait un peu une arène romaine, bon, sans les lions. Je vous laisse découvrir la composition de l'équipe visiteuse. L'entraîneur a choisi de densifier son milieu de terrain en alignant un 4-5-1. Et on va donc voir un bloc assez homogène, évidemment pas du tout évident à bouger. L'arbitre qui donne le coup d'envoi de cette rencontre. Oh, le bon ballon! Ouais, bonne prise de balle du gardien. Il perd le ballon. Il cherche des solutions, là. Allez, le plongeon, là, pour les photographes, même si c'est vrai, quand même, le danger était réel. On a perdu. Ah oui, la bonne passe. Et le but! Déjà un but! Ça démarre bien. On le revoit sur ces images, cette passe en profondeur a un peu semé la panique dans la défense. On revoit le joueur qui échappe à la défense et qui vient tromper le gardien. Ouais, exploit individuel, belle preuve de sang-froid dans le dernier geste. On s'observe de part et d'autre, on tente de petites accélérations, mais le score n'évolue pas. Oh, le numéro qu'il nous fait, et ça va être dangereux. Oh, c'était l'occasion de tuer le match, mais c'était sans compter sur cet arrêt exceptionnel du gardien. Ouais, du coup, ça peut redonner le moral à toute l'équipe, qui peut encore aller chercher le nul, à condition de faire vite par contre. Ouais, corner bien tiré au niveau du point de pénalty. Et voilà la fin du match, et donc les 3 points pour l'équipe visiteuse, Pierre. Courte victoire, mais amplement méritée pour cette équipe. Tout le monde la voulait, et c'est une victoire qui a été cherchée au mental. On a vu un bon joueur aujourd'hui, un sérieux, appliqué dans ce match. Bonne performance de sa part. En plus, son équipe gagne. Une superbe prestation avec notamment le but de la victoire, ce qui est quand même important. Il a fait preuve de sang-froid et son équipe peut lui dire merci.